Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Ça va? Ça va, toi? Ça va. T'es venu cette fois-ci? Bah ouais. Hein. Faut bien s'entraîner de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Mais tu penses que c'était jusqu'à la fin? Ouais. J'ai besoin de me défouler, du coup. Je crois que je vais faire les 2 heures. Ok. Bah alors, on va commencer par 100 mètres. Bien évidemment, un petit sprint. T'as assuré, Mani? Ouais, mais la prochaine fois, je te battrai. J'espère, hein, c'est jamais arrivé encore. Je m'inquiète pas. À la prochaine. Salut! Ouais. Blacky. Blacky, faut partir là. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas en sécurité ici. C'est à toi d'assurer ma protection. C'est ce que je fais. Joker va essayer de... Merde! Joker? Oui. Ça s'est pas passé comme prévu. Comment ça? Cible manquée. J'ai eu le garde du corps. À cause de toi, nous avons perdu le deal que nous avions avec Blacky.
t'avions bien dit de ne pas nous faire regretter de bosser avec toi. Madame Lee, je tiens cette marchandise tout autant que vous. C'est vrai que j'ai eu quelques soucis ces derniers jours, mais ça reste ma priorité de la récupérer. Je vous propose de me laisser juste un peu plus de temps. Et je vous rappelle. Je n'ai pas à attendre un quelconque appel de toi. Je ne travaille pas pour toi. Tu n'as pas respecté tes engagements et tu sais ce qui arrive quand on ne respecte pas un deal. Écoutez, la marchandise, je l'aurai. Et je suis un homme de parole. Bien entendu, pour excuser ce petit désagrément, je vous la ferai moins chère. Mais vous devez me laisser vraiment plus de temps. Tu as 10 jours. Si après ça, tu n'as pas la marchandise, je te tuerai. Je suis impatient de m'enlever des tripes et de creuser ta tombe. Je suis pas très comestible. Cyril, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fout ici? Jay, écoute-moi, il se passe quelque chose à la brigade. Quoi? La mort de Scotty, c'était pas un accident. T'as des preuves? C'est grave comme accusation. Tu te rends compte? Bien sûr que je me rends compte, mais Scotty était mon pote et un bon flic. Pas du genre à perdre son gilet. C'était devenu un Camille, tu le sais. Il aurait fait la même chose si ça avait été pour moi. Mais c'est Blackie, son assassin. Non, ça va plus loin que ça, je le sens. Écoute, je sais pas ce que t'essayes de prouver, mais là, tu désobéis aux ordres de la chef. Je veux rien prouver, je suis le parrain de sa fille, je lui dois juste ça. Scotty était devenu un camé, mais je le gérais. J'avais prévenu la lieutenant, et elle m'a dit que tout était sous contrôle. Donc, tu penses que la police a fait tuer un des siens? Tu délires, mec. Et en plus, en m'emmenant ici, tu risques la couverture de l'infiltré. On est dans le restaurant de Joker. Il utilise cet endroit pour blanchir son argent. Et? Il faut qu'on suive cette piste. Tu continues de penser que c'est Joker l'infiltré? Mais non, justement! Désolé, mec. Tu pars trop en vrille.
T'es seul sur ce coup-là. Maman ? Ma vie est ici. Et ma famille aussi. Je peux pas rester ici. Je vais aller nulle part. Et une conversation entre toi et moi s'impose, ma fille. Ok. Je vais tout t'expliquer. Please don't let me be misunderstood.